Alors, la caractéristique fondamentale de ce terroir, c'est que ce sont tous les vignobles qui sont placés sous le plateau du Larzac, nous voyons au fond, avec l'antenne du Mont Saint-Baudile. Tout ça, c'est la chaîne de la Serranne, d'où le mas de la Serranne où nous sommes. Et cette chaîne délimite la partie sud du plateau du Larzac. Donc, la proximité de tous ces vignobles contre le plateau du Larzac permet de bénéficier des courants d'air froid qui, en été surtout, descendent par gravité dans les terroirs qui sont en dessous. Et donc, on a des intervalles ou des plages de température très larges avec des alternances jour-nuit de l'ordre de parfois de 20 degrés d'écart qui donnent une richesse aromatique à tous les vins et une fraîcheur. Même si on a des vins chaleureux, on a dans le terroir des terrasses du Larzac toujours beaucoup de fraîcheur dans les vins.